Et bonjour à tous, c'est Survie Française pour la première vidéo de la chaîne, voilà. Donc c'est une chaîne de survie comme vous pouvez le voir, là. Donc là je vais vous présenter mon sac d'évacuation et mon sac de survie, voilà, donc c'est là. Donc juste, seul problème c'est qu'il a une petite ouverture, faut que j'aille chez le cordonnier à fermer. Voilà, donc c'est, je ne sais pas c'est à combien de litres, parce que je l'ai eu gratuit par une personne. Donc là on est dans les bois, hein. Donc je vais vous faire la présentation. Donc on va commencer par la grande poche. Alors, donc devant on a une gourde que je mettrai normalement à ma ceinture et le couteau aussi qui est là. Après on a un quart, voilà, en inox. On a un leggings pour l'hiver parce que je suis dans la région la plus froide de France. Donc ça caille un peu. Voilà, donc l'hiver, vu que j'ai là je suis en jean, hein, parce que juste pour la vidéo. Normalement j'ai une tenue que je vous présenterai dans une autre vidéo. Là. Donc de la corde, hein. Au cas où. Et au fond, une ration de combat militaire menu 6. Donc c'est chicken carne. Le plat, hein, j'avais déjà goûté. Il est délicieux. Voilà. Donc ici on a un muesli, voilà, que je laisse toujours là parce qu'il prend pas de place. Après bon, comme ça voilà. Alors là c'est la deuxième poche, donc on a un bloc-notes avec un stylo, excusez-moi, une lampe, voilà, donc une alors elle marche, faut juste. En fait, elle est. Elle marche une fois sur deux. Hein. Si je la tape, par exemple. Ouais, bon, elle marche. Donc, faut juste que je la ressoude. Parce qu'on va se casser. Un fire steel, là. Voilà. Un couteau, donc un opinel. Hein, que je porterai toujours à ma ceinture. Alors. Et il y a là, toi. Juste remettre. Voilà. Mon kit feu, voilà, donc avec un briquet, des allumettes, des pastilles pour le feu, voilà. Après on a kit bouffe, voilà, donc c'est à peu près c'est toutes les aromates des trucs comme ça, donc du thé, du café, du sel, une boisson isotonique et une boîte de thon. Et franchement là, en bas on a du matériel de pêche pour pêcher, voilà. Dans la plus haute poche, on a un drapeau de l'armée française, voilà, enfin de la France plutôt, de la chambre à air, ça peut toujours servir, une longue vue, voilà, donc, ce que, voilà, si vous arrivez à voir, et franchement, elle est géniale. Et ici, on a, alors, déjà, on a un carnet de bord, qui est un autre carnet où j'ai tout inscrit, des compresses, un gant. Il faut que j'en rachète une trousse de soins que j'ai acheté et une trousse que j'ai fabriquée, voilà, donc c'est simple. Donc il y a des gants, il y a des bandages et des seringues, là, au cas où, on sait jamais, voilà. Donc ce kit, hein, il n'est pas terminé, hein, faut que j'améliore, faut que je mette ma tenue dedans au cas où, voilà. Donc là, donc c'était juste la première vidéo là de mon, comment s'appelle, de ma. Ah, de mon matériel, voilà. La prochaine vidéo, ça sera soit notre campement qui est par là-bas, ou soit la tenue, voilà. Donc, voilà, excusez-moi, en fait, il y a eu une coupure. Il y a des gens qui sont passés, donc voilà, j'ai eu attendu un petit peu. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo, voilà, comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà. Si ça vous plaît, et mettre dans les commentaires des astuces ou si vous avez des questions, là. Parce que je regarde beaucoup les commentaires. Donc, voilà, donc c'était Survivre en 16. Au revoir.